Salut à tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans tout simplement les 3 meilleures courses du Social Club de ce mois-ci, d'après tout simplement le Social Club. Et on va voir en fait ça, ce que ça donne. Et on va noter sur 10 les courses. Hein. Vous aussi, vous pouvez noter sur 10 les courses tranquillement. Attends, t'as pris quoi toi? Ah ouais, t'as pris ça toi? Oh, ça m'a mis ça par défaut, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas, mais bon. La logique. Waouh, la logique des choses veut. Waouh. Ah ouais. Je suis en blista, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. Par contre, mon véhicule, il dérape à mort. Donc, alors, ça, apparemment, c'est les courses les mieux notées hein, de GTA V. Ouais, je pense que ça devrait passer avec ça, non? Avec la blista à la salle. Bah ouais, moi, j'avais trop d'élan. Ah ouais, par contre, t'es bien, toi. Je vois, t'as laquelle et. Elle est incroyable celle-là. Ouais, mais elle dérape beaucoup. Hein. Ouais. Ah oui. Allez, mon cher, le frein à main, voilà les gars. Ça, c'est les tutos, la salle. Le frein à main dans les courses, très important. Très, très important. Si vous gérez pas votre frein à main, c'est un peu compliqué dans les courses. Hein. Sachant que moi, le frein à main, je l'ai mis sur croix. Bah écoute, pour l'instant, c'est pas mal, hein, c'est bien fait, disons que c'est bien fait. C'est intéressant. C'est magnifique comment tu passes à côté de moi à chaque fois. Ouais, j'avoue, okay. C'est pas du tout le même calibre. Ok. Hein, franchement, ça va. Hein. La course, je crois qu'elle est adaptée pour tout type de véhicule. Hein, parce que là, regardez, je suis quand même un véhicule. C'est pas non plus le meilleur véhicule de GTA V, mais... Ça passe, quoi, vous voyez, ce genre de truc. Par exemple, il aurait pu mettre un trou. Si, trou, je meurs, la salle, tu comprends? Là, il n'y en a pas des trous. Là, il n'y en a pas et ça passe plutôt bien. Et c'est pas mal. Donc, cette première course, donc ça, c'est la troisième. Hein, c'est pas la première. Donc, ça, c'est vraiment 3 sur 1, on va dire. Comment ça, 3 sur 1? En gros, c'est pas la troisième c'est pas la première des troisièmes, quoi, je veux dire. Des 3 meilleurs, quoi. Ouais, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire en gros, c'est la troisième du classement. Si tu préfères, quoi. Okay. Elle passe bien. C'est une course genre à faire quand t'es là entre amis, quoi. Si, c'est vrai. Non, mais sérieux. Ouais, sérieux. C'est pas une course de la salle cup, quoi. Non, oula. Tu vois, genre par exemple, ce genre de course, je pense que ça peut être validé par Rockstar, tu vois. Ou non. Elle a non, trop d'imperfections, mais. Ah ouais? Non. Oui. Trop de. Ouais. Mais. Enfin. Quand je dis imperfection, c'est pas assez d'amplitude pour certains points. Ce qui peut justement faire que ça valide pas, quoi. Ah ouais, ok, je vois le délire. Parce que c'est vrai que pour que ça soit validé, faut. What? Je sais pas si je vais réussir à finir. Ah ouais. Ah ouais, faut que je respawn. Est-ce que je respawn ou on finit la course comme ça? C'est ça la question. T'as remarqué les courses Rockstar? Ah ouais, non, attends, quand... je vais respawn. T'as remarqué les courses Rockstar quand il y a un saut, tu remarqueras que derrière la plateforme est immense. Alors que ce soit justement, voilà, pour que ce soit justement adapté à tous les véhicules. Après, ils réduisent le parcours quand c'est des lignes, enfin, quand il n'y a pas de saut, quoi. Mais à chaque saut, ouais, c'est beaucoup plus gros. C'est vrai. En fait, le problème, c'est que là, tu vois, par exemple, là où je suis, là, je suis tombé, du coup. Et ça, par exemple, c'est pas possible, tu vois. Parce que c'est trop petit et... Tu vois, c'est ce qui ferait que les joueurs y rageraient, quoi, en gros. Et du coup, potentiellement, baisser la note et perdre des joueurs, tu vois. Oula. Là, je crois qu'il y a un problème. What the fuck? Ah. What the hell? What the what? Il a pas mis de boost et à mon avis je passerai pas. Ouais. Je ne passerai pas cette course la salle.
Donc je finis? Attends, je vais quand même tester. Pourtant, je crois que j'avais l'impression d'avoir la vitesse max. Ah, parce que c'est fini après le looping là, de toute façon. Ça Là, fait vous avez juste le longtemps que j'ai looping fini, là. moi. Ah. Oh, j'ai eu la chance. C'est bon, j'ai eu la chance. De toute façon, c'était fini, les Non. gars, il y avait juste ça. J'ai eu Non. énormément de chance. Et du coup, on passe bah, tout simplement cette course qui est du coup la troisième meilleure course de la bah, de ce mois. Et tu peux finir la salle. Ok, et bien du coup les gars, on va se retrouver pour la deuxième course du mois. Donc c'est parti, Spider-Man. Let's go. Et du coup, on est parti pour la deuxième course. La deuxième, hein, donc c'est le top 2. Top 2. Meilleure course de GTA 5 du mois. Donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, go, go! Let's go. Le départ boost, les gars. On n'oublie pas le départ. Oh. Je vois qu'on a fait la même chose. Exactement. Donc deuxième meilleure course. Donc je connais ce créateur là, ça. Bon, on a déjà fait des vidéos dessus. Et disons que lui c'est un très bon créateur. Donc deuxième, déjà c'est normal par rapport à la course d'avant. On voit quand même qu'il y a plus de travail. Hein, largement. Et Pour l'instant, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'amplitude, c'est beaucoup plus beau. ça par exemple Rockstar ils peuvent pas valider quoi. Impossible. Non. Vous voyez, le problème, c'est que là, par exemple, un noob, hein, je parle d'un noob hein, qui joue à GTA rarement, il paniquerait, quoi. Il saurait pas quoi faire. Ça fait peur, quand même, là. J'ai l'impression que je vais tomber dans le vide. Il validerait pas parce que le wallride est trop long déjà. C'est Et abusé. Rockstar, ils veulent que ce soit un peu plus dynamique. Ouais, là, par contre... C'est chaud surtout. Et c'est bon, je suis passé. T'as un forceur, je vois que tu passes sur le côté. Tout est bien, t'es bien, t'es bien. Je vais te rattraper, t'inquiète pas la salle. Moi? Je vais te rattraper, regarde. Non, mais ça le fait tout seul. Waouh, waouh. Wow. Ah ouais, magnifique. Ok. Ok. On est bien, on atterrit bien. Ah, j'ai eu un petit truc de ralentissement là. Oh là 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 là. J'ai eu un petit saut, du coup j'ai ralenti, j'ai dû freiner pour rentrer dans le tuyau. Là, la salle qui creuse l'écart, il est en train de creuser l'écart, mais je peux le faire, la salle, je peux le faire. You can do it, hein. Ok. Je pense que rien n'est perdu là. Hein. Ouais, je te vois, je te vois, je vois que t'es là, je vois que t'es présent, t'inquiète pas. Ok. Ok, c'est bon, je suis là, t'inquiète pas, la salle, je vais te rejoindre. Sous ma ta! Allez, tombe la salle, tombe, tombe, tombe la salle, tombe, tombe. Tombe, tombe. J'aimerais bien. Fais une erreur. Glisse. Dérape. Fais quelque chose qui ferait que je sois devant toi, petit la salle. Tu ne fais jamais d'erreur. Je viens de Pourquoi faire un pas là? accident. J'ai fait un tonneau. Avec qui tu veux avoir un accent, c'est impossible, je te rejoins. Si, si. Non, non, j'ai fait un tonneau, vraiment. Ah ouais? Ah ouais. Pourtant, c'est abusé. Comment je t'ai Ah, pas mais regarde, rattrapé? t'as rattrapé un peu. Bah, là, Oh. par exemple, j'ai encore fait un Oh problème. my god, catastrophique! Ah, mais moi aussi, hein. J'ai fait un accident là en tombant. Mais tu vois, quand c'est en l'air comme ça, le frein il veut pas se régler. Non, c'est parce que t'étais à l'envers, il faut te remettre à l'endroit. Le frein à main, tu peux pas le gérer si ton véhicule il est à l'envers. Voilà, là je le gère. Ok, ouais, du coup la salle pour l'instant, combien tu mettrais? Bah, déjà la troisième, la première course, hein, enfin qu'on a testé du coup, qui est troisième du classement, tu Alors mettrais combien? la première, je lui mets 5 sur 10 et celle-là, je lui mets Bah attends, 7 sur oh, c'est pas 10. fini, c'est pas fini. Bah, tu m'as dit combien tu mets? Bah sur la troisième. Là on va tester Oui, celle la. d'avant. Ouais, celle d'avant, ouais. 5 sur 10. 5 sur 10. Et celle-là, je Ouais, lui mets c'est 7. vrai que c'est pas ouf quoi. 5, ça vaut 5, 6 quoi, à la limite. Mais c'est bien fait quand même, tu vois. C'est
C'est pas The Course, mais disons que là, franchement, ça va. Par contre, la deuxième, on va voir combien on met sur celle-ci, du coup. Moi, je mets 7 pour l'instant. 7 pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. Elle est simple. Elle est pas efficace, mais elle est simple. Donc, ah. Je mets 7, ouais. Bonsoir, la salle. Bah, disons que, en fait, le problème aussi du créateur là, c'est quand... Bon, si tu regardes toutes ces courses qu'il fait... Ok. Bah, en fait, c'est à peu près les mêmes, je trouve. Je trouve que quand tu débutes GTA et que tu veux des wallrides, c'est une bonne course. Donc un bon 7 sur 10, ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est pas mal. En fait, le problème, là, un joueur qui découvre GTA 5, tu vois, sur ce genre de course, je pense qu'il galère. Enfin, pas il galère, mais... Non, les wallrides sont énormes. Oui, mais il stresse, tu vois. Par exemple, tu sais, quand le... Wow, c'est pas mal ici. Genre... comment dire ? Tu vois, quand tu fais le looping là, après t'as les boosts et ça te ramène sur la plateforme, là où j'ai explosé. Ouais. Bah là, par exemple, un joueur banal, on va dire entre guillemets, bah il aurait des difficultés. Parce que n'oubliez pas que nous, on est. Ouais, voilà quoi, ça fait longtemps qu'on joue, donc tu vois, on est un peu plus développé. Mais un je pense que banal, tu voulais dire expérimenté. Développé, non, c'est développé. Oui, expérimenté, non, ça, tu m'as compris quoi. Alors voilà à quoi ressemble la course, je sais pas si on aura une vue globale. Voilà, on vient de faire tout ça exactement. Donc ça c'est la deuxième course, hein. Deuxième course. On n'a pas encore fini, hein. On est en train de monter tranquillement. Elle est juste derrière nous. Franchement, ça va. Je mettrais, ouais, je pense que je mettrais 7 sur 10. 8 c'est trop. Parce que tu vois ça. Tu peux pas mettre 8. Ouais, tu peux pas mettre 8, c'est plus dans les airs de race, des trucs comme ça. La 7 c'est très bien. 7 c'est très bien. Et du coup, on va bientôt finir. Oula, je sais pas quoi là. Où est-ce qu'il est le pont? Ah ouais, il est là-bas. Waouh, c'est magnifique. Mais pour un joueur débutant, c'est vrai que c'est une très bonne course quoi. C'est une très très bonne course. C'est ça, pour les débutants, elle est parfaite. Elle est même plus que parfaite. Elle est Rick and Barwin's in the West forever and ever. Et on finit cette course magnifiquement magnifique. Voilà, vous voyez ce genre de truc, par exemple, je pense qu'un jour, il stresserait. Je sais pas. Après, je dis ça, je dis rien, tu vois. Et voilà, c'est fini. Et du coup, on va passer à la troisième et du coup, qui est la première course. Donc, c'est la course la plus notée. Et let's go, on est parti pour la meilleure course de GTA 5 du mois à la salle. C'est la meilleure, voilà, d'après le Social Club, hein, je veux dire, c'est les joueurs qui ont du coup le mieux noté cette course. Bon, j'ai pris une pause direct moi perso. Ok. Wow. Ouais, ça, là, ça va être un peu plus hard, attention. Non, tu m'as dégommé à la fin. Je me suis débarrassé d'un peu tout le monde. Ouais, et c'est une course air de race, les gars. Donc, enfin, une air de race, excusez-moi. C'est une course GTA, pardon. Du coup, on peut s'exploser, hein, comme vous avez pu le voir. Et d'ailleurs, la salle qui m'a explosé, hein, j'ai envie de dire. Regarde. T'as vu ou pas? Oh, t'es en train d'exploser tout le monde, c'est abusé. Ah ouais, encore? Bah oui. Ok. Il y a des gens derrière moi. Eh ? C'est moi les trucs qui volent la salle. Quel truc ? Bah. Y'a un problème là, les gars. De quoi ? Bah, genre les. Je crois qu'avec les vagues, ça vole. Non, mais ça vole. Mais il les a mis en hauteur. C'est stylé. T'es où là d'ailleurs ? I don't see. Bah. J'avance quoi. Wow. Par contre, pour vous exploser d'ici, je vais tenter un coup de bigot. Ah non. Pourquoi ça a explosé? Mais j'explose tout le monde, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais. Ah bah merci. Là, tu peux largement rattraper. Hein. Tu m'as donné la deuxième place, la salle. Mais oui.
Tu m'as donné la deuxième place, par contre, faut que je te dégomme, toi. Oh. Oui. Non. Je t'ai dégommé alors que j'étais dans les airs. Mais comment t'as fait? What the fuck? C'était une course dégommage pour moi. Wow, attends, je suis en train de me battre avec un gars. Ok. C'est bon, deuxième place pour moi. Ouais. Alors, celle-ci, la salle, je vais pas t'avouer que sur 10, tu mettrais combien? Franchement, là... alors, je suis tenté de mettre 10, parce que j'ai vraiment surkiffé la course. Je suis tenté de mettre 10. Ouais, mais elle est petite quand même. Hein. Oui, mais bah, tu peux mettre plusieurs tours. Mais. Bah, de base, c'était 3 tours. Tu vois, j'ai mis un tour. Je suis tenté de mettre 10, mais c'est vrai que. Elle est parfaite comme ça, mais elle aurait été encore plus parfaite si elle était plus longue. Donc ouais. Je mets 9. Allez. Alors c'est vrai qu'elle est pas très très longue, mais franchement, moi ce que j'ai à dire quand même, c'est... Bah, en fait, ce que je trouve, hein, c'est que les 3 meilleures courses qu'on a testées, donc c'est les 3 meilleures courses du mois notées par les joueurs, sont des courses qu'on peut faire entre amis, en fait, tout simplement. Donc c'est des courses vraiment... Tu peux faire entre potes, entre joueurs, voilà quoi, tu peux t'amuser avec tes potes ou des. Voilà, tu vois. Et du coup, voilà, un peu la globalité de. Le résumé un peu de tout ça, c'est que c'est des courses pour amis. C'est pas des courses qu'on fait d'habitude. Des courses hard, des parcours hard, quoi.